Nous retrouvons Monsieur Galvin pour nous évoquer la candidature de Vanishing Cupine dans le quartier de jeudi à Fontainebleau. Qu'avez-vous pensé de sa prestation nantaise? Il courait correctement. Maintenant, voilà, c'est un cheval qui est quand même un petit peu vieillissant et qui court un petit peu un ton en dessous de ce qu'il pouvait faire un petit peu au précédent dans sa jeune carrière. Mais voilà, c'est un cheval qui est encore vaillant, qui est encore très beau physiquement et qui a fait une performance correcte. Quelle est sa qualité première? D'être courageux, d'être quand même régulier, parce que c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Et voilà, c'est un cheval de très bon tempérament qui s'adapte un petit peu à tous les parcours. À 5 ans, il dispute son premier handicap à 38 de valeur. Vous sentez Oui, positif? bah pourquoi pas, parce que c'est vrai que faut reconnaître que c'est un cheval qui a un très beau papier, qui est par Galiléo et qui est très bien né, donc qui n'était pas forcément destiné vraiment à la catégorie des handicaps, mais écoutez, en 38, ça vaut certainement le coup d'essayer et de voir s'il peut être compétitif. Quant à la pluie prévue d'ici à jeudi, ça peut le gêner? Non, 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 a priori, ça ne le dérangera pas.